Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi, c'est gratuit. Et le gratuit du jour, bon, c'est pas vraiment un gratuit. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est une bêta. Une bêta qui est dispo depuis quelques temps sur IndieSDB. Et ce jeu, donc, c'est Magma Tsunami. Alors, Magma Tsunami, c'est un jeu complètement barré. En fait, on est ce petit. Moi, je dis que c'est une couille. On est ces petites boules là de chewing-gum, hein, on va dire. Allez, on va dire que c'est une boule de chewing-gum qui court et qui doit pas se faire rattraper par la lave. Graphiquement, c'est génial. C'est très très beau. Par rapport au style de jeu, bah, ça va très bien. Il en fallait pas plus. Et vous allez voir, c'est assez addictif, surtout s'il rajoute un peu de social dedans. J'imagine que si les joueurs peuvent poster leur score sur Facebook facilement, ça va sûrement amener des joueurs par la suite. En tout cas, c'est assez marrant. Vous allez voir, en fait, c'est un jeu de, je ne sais pas, enfin, c'est une certaine distance à parcourir, un certain temps. En fait, il faut tenir le plus longtemps possible, mais on va voir ça tout de suite. Allez, on choisit Run. Je suis à la manette. C'est quand même bien plus simple. Et voilà, notre petite. Hop, on va aller reprendre un peu d'avance quand même. Et voilà, le but du jeu, faut courir, faut éviter les obstacles. Ouh, c'est de la plateforme. Et voilà, et j'ai tenu 14 secondes 68. Alors l'objectif aujourd'hui, bien, ça va être. Oui, regardez, on peut poster sur Facebook et sur Twitter si c'est pas beau ça. L'objectif, ça va être de passer les 60 secondes. Eh ben les amis, on y est pour longtemps. Alors les niveaux sont, je ne pense pas qu'ils soient générés aléatoirement, mais ils tournent. Voilà, il y a plusieurs niveaux et on ne tombe pas toujours sur les mêmes, mais c'est vrai que c'est pas du procédural. On va avoir tout le temps à peu près les mêmes. Hein, quoique ça, je l'avais jamais rencontré. Ah, c'est peut-être. Oula! Ah, dommage, j'étais bien parti. C'est peut-être du généré aléatoirement, hein, en fait. Hein. Vous voyez, je crois que. J'ai dit que non, mais. Allez, on va essayer d'aller le plus loin possible. Allez, on court, on court, on court. Ouh, j'ai failli tomber dedans. Ah, faut vraiment être concentré. C'est chaud, c'est chaud. Allez, on est sorti de la grotte. Ah, 1 minute, ça va être quand même un peu impossible. Oh, oh, ah. Ah, c'est fort ça. Bon, 45 secondes quand même, j'ai fait un bon score. Hein. J'ai fait un bon score, 45 secondes. Allez, ben on va essayer d'en faire un nouveau. Alors je vous dis franchement, c'est super addictif parce que quand on commence ce genre de jeu, ben, forcément, on s'arrête plus. Enfin, on a du mal à s'arrêter. On a toujours tendance à aller plus loin. Alors surtout, si on peut. Oula, qu'est-ce que c'était ces plateformes là? Je les voyais pas. Alors surtout si on peut partager son score, je vous laisse imaginer que les parties risquent de s'enchaîner si on a d'autres amis qui y jouent. Moi j'aime bien ce jeu, franchement, bonne détente. Il est gratuit pour l'instant. Alors je sais pas si par la suite il va passer payant. C'est vrai que je me suis pas renseigné. Moi je me suis juste calé dans mon fauteuil pour y jouer. J'ai pas trop regardé ce que. Oh là là, ce que ça donnait derrière. Alors, il y a un mode entraînement et on va encore essayer quelques courses, peut-être un peu plus concentré. On va se concentrer. Oula. Oh, ça c'était horrible. Ça c'était horrible. Pris en plein saut là par la soucoupe volante. D'accord. Bon, allez, on va retourner au menu principal et on va aller jeter un œil à ce que c'est. Que ce menu entraînement. Alors je joue à la manette. Normal, hard, madness. On va voir ce que c'est madness. On peut jouer à 2 players, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ça va vite. D'entrée. Oh là là. Ça avait l'air dur. Hein. On va essayer de le refaire. Ça avait l'air dur. Hein. Si je me refais le même niveau, ça serait bien sympa. Oh là.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, il faut les connaître. Il faut les connaître par cœur, c'est pas possible. Eh, mais ça change à chaque fois. On peut pas les connaître par cœur. Allez, on va faire un training en normal. Soyons sages, soyons sages. Ah, j'arrive pas à rester en hauteur, moi. Hein. Ah, celui-là. Oula. Celui-là. Oh, purée. Non, je refais. Celui-là, je l'avais déjà fait de niveau. Et j'étais passé au-dessus du décor, là, un peu comme dans un Mario. Alors, en commande, on a pas beaucoup de commandes. On a un bouton pour marcher. C'est avec le joystick, un bouton pour avancer. Est-ce qu'on peut reculer? Oui, c'est totalement débile, mais on peut reculer aussi. On a un bouton pour avancer, un pour reculer, un pour sauter et un pour sprinter. Voilà. Et avec ça, on fait un jeu. Si c'est pas beau quand même. Vive la scène indé. Vive la... Aïe, aïe. Ouf. Vive la scène indépendante. Ah, cours, cours, cours. Oui. Et le turbo, même quand on est en plein saut, on peut l'utiliser. Ah. Ah. On peut l'utiliser même en plein saut, donc c'est vraiment technique. Mais c'est génial quoi, c'est génial. Je pourrais y jouer des heures, je crois, sans m'arrêter. Bon, en tout cas, voilà, c'était vendredi, c'était gratuit, et c'était... c'était quoi? J'ai oublié, Magma Tsunami. C'est la version bêta, gratuite pour l'instant. Vous pourrez la retrouver sur le lien que je mets en bas de la vidéo. Et je vous dis bien à très bientôt, et portez-vous bien. Bye bye.